Hey yo tout le monde, c'est le gamer du 22. Oh putain, oula, j'ai un de perdre qu'un FPS là juste en lançant la vidéo. Ça freeze un peu. Donc on se retrouve sur la carrière 100% classe. Ça fait beaucoup de temps, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Donc comme vous l'avez sûrement vu, je viens de passer les 10 abonnés, je suis à 12 abonnés. Là je vous remercie énormément. Et moi ça va bien, hein, autrement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait à faire? Oui, je crois qu'on avait à finir la moisson. J'ai téléchargé, je viens juste de la télécharger, j'ai de l'installer. Une nouvelle petite bébène. Ah oui, donc ça c'est des mods que j'ai oublié d'enlever. Ah oui, parce que j'ai eu un petit bug dans mes mods, maintenant j'ai 200 000 tracteurs. On va pouvoir faire du test de mode, hein. Il faut rester mode aussi. Oh. Donc ça viendra avec d'autres vidéos. Hein, ne vous inquiétez pas. On est en train de préparer ça avec Greg du 22. Qui devrait arriver. Hein. Normalement, il devrait arriver. Je sais pas trop quand il va arriver, mais il va arriver. Ne inquiétez pas. Sauf que là, il n'était pas disponible. Ouais, donc il y a ça aussi que j'ai depuis quand même pas mal de temps, c'est pas mal. Je vous montrerai l'autre truc si je le retrouve. Les tondeuses. Les bêtes, voilà, les brigands. Ouais, c'est ça. Donc les brigands, on va acheter une brigand. Voilà, on va monter dans le petit classe là. Petit gyro, je vais vous enlever ça. Et on va aller la chercher. Donc oui, c'est une benne. Le lien, je le mettrai dans la description si je le retrouve. Parce que, voilà quoi. Mais je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. C'est où je l'ai pris. Autrement, parce que c'est une benne que Jouant d'Entrée a présenté. Donc plutôt pas mal. J'ai jamais joué avec pour l'instant. Comme je vous le dis, je viens de la télécharger. Je suis à 10 FPS, j'étais à 30 tout à l'heure hors vidéo. Je pleure. Je suis à 20, je suis à 15, 16 à pied, je suis à 10. Donc ça se voit vraiment que mon PC n'est pas du tout une bête. Donc, on va pas mettre le clignotant parce que j'ai pas trop envie de le mettre. Le micro, il m'énerve un peu le micro. Hop, voilà. Micro. Allez hop. Oui, donc il y aura de nouvelles carrières de paysages sur la map là et sur la Eddington. Il y aura pas mal de choses. On va faire la moisson. La moisson. La moisson, l'ensilage. Oh, ah ouais, pour la petite brigand. Donc je crois que c'est que j'avais des millions, j'avais des milliards même, j'avais des millions milliards. Donc je n'ai pas testé, mais je crois que c'est vraiment le vrai numéro de. Il y a le dommage bon en plus. J'avais des millions milliards. Coûte 30 000. Mais c'est une 15 tonnes. Avec ridal amovible. Donc les ridal amovibles. Je vous les montre tout de suite ce que c'est les ridal amovibles. Vous ne connaissez pas du tout la touche. W je crois. C'est ça les ridal amovibles. Hein. Donc là on est en grosse remorque pour ensilage. Là on est en petite remorque, je sais pas quoi. Donc nous, pour la moisson, on va mettre celle-ci. Parce que là, je trouve que c'est plus réaliste. Parce que ça, le grain, il passe à travers. Ça, il passe vraiment à travers. On n'a que ça en gros. Ah, donc, ouais, on va mettre comme ça. Donc c'est une deux essieux. Enfin, c'est une deux essieux de 3D, 8O, texture 8O, script 8O et Fenbrite 22. Merci à Fenbrite 2 pour son tuto. Merci à Fenbrite 22, Fen412, Polo 5090R et Lulu 88520 pour leur aide et leurs conseils.
Ok, ça coûte quand même 30 000 là. Donc c'est une belle remorque, je trouve. J'ai regardé un peu la vidéo de jeu, l'épisode 40 de La Guerre du Ton. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui connaissent, voilà. Tant mieux pour eux. Et on va aller faire un petit champ. Il y a des petits champs là. Bon, je vais aller voir lesquels qu'il faut faire. Lesquels qu'on a encore. En plus, ceux qu'on a fauchés. Ok, il y a grand problème. Moi, je vais faire le 9. On va aller faire le 9. Normalement, avec Greg, on aurait dû faire cet épisode. Il viendra sûrement pour le 3. Il y a tous les modes et tout. Donc le nom de la remorque, je viens de le trouver, c'est la Brigand MR 2015, 4% de dommage. Déjà? Bah putain. Bah remarque, c'est quand je conduis, ça m'étonne pas. Ouais, donc avec Greg, il y aura pas mal de petites choses. Pour tout ça quoi, il y aura aussi une Brigand, hein, et la Brigand elle est la classe, il y a une 15 et une 20 tonnes, je pense que c'est plutôt pas mal, hein. 15-20 tonnes. Oulala, j'ai rien ouvert moi. On va s'arrêter. Ah bah si, le toit était déjà ouvert. Non, jamais ouvrir cette porte là. Juste ouvrir la porte de derrière aussi parce qu'on est un peu sur la route. Allez, main sèche, je me trompais de pédale. Donc je joue 20 dans la tête. Mon voyage, il fait quoi? Il fait rien en voyage. Donc la remorque, là on va la garer juste ici. Il n'y a qu'un clignotant que j'ai pas configuré. Pour ceux qui se posent la question. Et il n'y aura pas que Greg, hein, il y aura aussi Sodium. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo avec lui, avec Sodium. Et je ne la posterai pas sur ma chaîne, tout simplement, parce que elle est un peu trop lourde. Pas une assez bonne connexion, et puis surtout pour le montage ça va être très long, 22 gigas à monter, et puis voilà. Donc c'était une vidéo de multi de retraite 2. Hop, bon, on va éteindre le petit tracteur. Hop, hop, hop. La masse batte, c'est pas vraiment pas une très belle masse batte, mais c'est la plus petite. 2 secondes, les gens. Petite ellipse. Je mets ça pour fond. Petite ellipse. On creuse les gens, hein. Comme je vous l'ai dit, si je viens de vérifier en plus. Voilà. Je viens de vérifier pour mes FPS. Je tourne à 13-14. Hein. Et sans dedans, hein. J'ai pas bougé de là. Je tournais à 20. Pour vous dire, c'est énorme. Est-ce que j'ai foutu les gyros? Pardon, j'ai bougé. Donc ouais, plutôt belle machine celle-là, je vous l'ai déjà montré. Plutôt... Elle est pas mal, hein. C'est une petite assez sympatoche. Donc il y a un mode aussi pour les ouvriers qui détournent eux-mêmes, le smelter d'acier là, j'ai trouvé le mode. Je pense qu'on va le trouver. Hein. Je crois qu'il y a le bailleur. Donc le tétalacteur est là-bas. C'était pour ça que je voulais être avec Greg, pour faire vraiment du convoi. Attention, là il y a un arbre, on pourra choper l'arbre non plus. Bien large. Oh là là, il y a des arbres ici. Oh bah c'est pas grave. Ça passe tout seul. Donc oui, j'aurais pu passer. Ah oui, c'est vrai, il y a de la paille aussi à presser. On va faire aussi un épisode 100% presse. Que la faut moissonner.
là, je pense que je vais mentionner, il faudra aussi faire plein de silage. Cet épisode va ressembler énormément au premier. Je ferai aussi de la maçon hors vidéo avec Gray et Sodium pour bien finir les moissons. Il y a quelques champs que vous verrez encore moissons, parce que les gros surtout, du style le 30 et le 21, parce que on sortira la lecture 770 là, Terra Track, et là, croyez-moi, que ça va envoyer du pâté. On met les warnings parce qu'on va déplier. X. Non, je crois qu'il faut baisser. X. On va pouvoir la relever parce qu'on est quand même sur la route. Pas de voiture, c'est bizarre. Moi, je suis pas multi. Est-ce que je vais créer une partie multi? Nous, on a vu des voitures tout à l'heure. On va passer en mode. On va appuyer sur N. Bon. On a désactivé le broyeur. Hop. Oh ben ça c'est vrai. Je vais les désactiver tout de suite. Allez. On va passer au régulateur 2. Ah bah direct. Lui il est directement la paille sur la route. Il est comme ça lui, hein. Il est directement là sur la route. Donc c'est de l'orge, j'ai l'impression. Allez. Allez. Donc les vidéos sur Farming Simulator 2015 n'arriveront pas tout de suite. N'arriveront pas le temps. Attendez-vous à avoir une vidéo de Farming Simulator 15 une voire deux semaines après, parce que faut le temps que j'aille le chercher. Et comme j'ai pas le permis. Allez, plutôt pas mal. L'intérieur est très très bof bof par contre. L'intérieur est vraiment très bof bof, mais bon. On va pas se plaindre. Tiens, peut-être que j'ai trouvé belle, on va dire. Un larme. Oh. On va découvrir juste vite fait. Un ou deux tours de détourage. On va mettre un ouvrier. Et je sais ce qu'on va faire après. Vous allez voir. Ça va être aussi carrière de paysage. Vite carrière paysage juste pour m'amuser. Hein, je ne verrai jamais ma vraie carrière de paysage que j'ai autrement. C'était juste pour m'amuser. Enfin, le paysage entreprise quoi. Et vous allez voir ce qu'on va faire. J'ai quelques petits champs là qu'on va aller acheter. Extrêmement mignon, on va pouvoir se faire plaisir. Je sais pas si j'ai le mode. Non, je l'ai pas. J'ai un mode normalement, je sais pas où je l'ai mis, c'est on fait CTRL ALT et la touche de klaxon et on a on augmente de million par million. Et à l'inverse, je crois que c'est CTRL la tab, on enlève des millions, mais ça j'ai jamais fait. Qui voudrait s'enlever de l'argent? Non, non, mais là.
Je vais trouver ça bien. Allez. On va acheter du coup un autre petit rayon là. Oh non. Non, 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 on va prendre un petit fend. Ah ouais, on va prendre un petit fend. J'aime bien les petits fend. Beau petit fend là. C'est mieux. On sonne quand même à 9-10. On passe à 10. Voilà. Hop là, ouais, je pense que si un tour de trois, je pense que c'est pas mal. On aura juste un petit tracteur. On va le faire partir comme ça parce que là il y a des arbres, j'ai peur. J'ai peur pour le matos. Allez, on va braquer. On va se mettre de l'autre côté de la route. Oh, on est plutôt pas mal là. Il ne devrait pas trop tourner dans la brigand normalement. Allez, elle est sale, elle est sale, elle est sale. Attends, je vais essayer de monter. Faire un peu plus de réalisme. Donc, vous savez quoi, on va monter comme ça. Ah non, faut que la barre de coupe soit baissée. Hop. Hop, allez, hop, allez. Ouais, je pense pas qu'il devrait tourner là, sinon on va... Ouais, on va reprendre un peu le tracteur, on va aller charger un brigand sur le côté là. J'ai un peu peur pour ma brigande. Vous voyez comme moi les gens. Police. Waouh. Ah, tout le monde a vu comme moi là, le mec là il était pas très... Hop. Je crois qu'il y a une voiture... Ah non, elle me laisse passer. Bah écoutez... Bah écoutez, je la remercie grandement. Sans elle, je ne serais jamais passé. Le tracteur là aussi sous sa ligne. Voilà, il est plutôt pas mal là, le petit clavier avec le petit brigand. Allez hop, on va en racheter un. On va aller faire un peu, on va planter quelques arbres. Racheter un tracteur. Petits arbres. Celui-là, tiens. J'ai un peu peur, mais on va quand même l'acheter. On va aussi acheter celui-ci. Et quelques arbres.
quelques arbres aussi pour le forest mode. On va acheter ça. Acheter ça. École à la fin. Il y a quoi comme fonction? 4 roues motrices. Ouais. Ouais, point. Bof. Même pas de 7. Même pas de 9. Oh là là. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il est plutôt pas mal. Juste un peu ces petits. Il est... ah, bon, l'intérieur n'est pas. Par contre, il a de la pêche là. Je me demande s'il va pas à 200. On va tourner la cabine. Plutôt pas mal hein, pour braquer, pour bien attacher. Et ce truc là. Ah berk. Ok, c'est là. Oh. Ok, 2 secondes. Pas trop quelle heure il est là, il est 11h45. Ouais, on va bientôt il suffit juste que je retrouve ce petit truc là bien moche, que je le vende. Non, il est dans les tracteurs, c'est vrai. Tout en bas, tout en bas. Ouais, là ce que je me dis, elle était pleine. Bon, on va aller la vider. Allez, notre c'est brillant là. Elle va pouvoir faire ses preuves là, petit brigand là, 15 tonnes. 15 tonnes.
Ah, ça va, il est trop mal avec la voiture non plus. Allez, allez, remplis. Pour l'instant, nous, allez, on va aller avec le petit Fendt là. Allez, le contre-braque. Changer. R. C. Et c'est parti. Allez. Ah, t'es vraiment moche, ce truc dessin communal là. Et lui, il a de la patate. Hein. Je sais pas trop où on va le planter, mais bon. Sûrement les planter sur le bord des champs. Tiens, je sais pas. J'ai pas envie de m'emmerder trop. Oh ben d'accord, t'avais pas assez de place en fait. 10 tonnes, je te laisse 10%. Hop. Il fera à main enlevée. Façon 4 motrices. Et là, les 4 motrices, ça va y aller. Juste attendre qu'il passe. Fasse sa petite manœuvre. La voiture, elle va attendre, j'espère. Ouvrez les voitures, ça va pas. Pour les rouler les mecs. Je me mets qu'il passe en 4 roues motrices juste pour juste avec quelques arbres derrière lui. Vous êtes pas, je suis tout à fait normal autrement. Tiens, j'ai envie de planter un arbre ici. Juste ici là. Et hop, une petite arme de pompée. Ah ouais, un petit arme de pompée. Ça, on va aller ramener à la ferme et on va acheter les pareuses. Enfin, le broyeur. Enfin, les pareuses, parce que j'ai bien envie de faire un petit peu les pareuses. Je vous la montre. Et... dès que je vous l'aurai montré, on s'arrêtera là. Et d'un coup, on coupera cet arbre. On le descendra. Avec Greg. Et Sodium. On prendra Tesco. Un godet. On monte. Et c'est parti. On débranche. Et on descend.
celle-là aussi que j'en portais un. Je vais me faire ça. Tout de suite. J'ai bien envie d'en porter un petit là. Un linge, votre linge. Et par contre, là, il va falloir s'y prendre vraiment. C'est que jusque là. Là, il y a un arbre. Ah, c'est chaud à planter par contre. Non, on va aller arrêter. On va aller vider juste l'abrigo. On va garer le petit fait de là. Enfin, on va se dire à la prochaine. Allez. Excusez-moi, j'ai juste appuyé sur échap au lieu d'appuyer sur F1. On va les vendre. Mais on va pas les... je sais pas... on a à peine 10 tonnes. Attends, il a fini ou quoi? Non, il en reste encore une bande après. Ah, ça, je ferais mal. Pas faire ça en vidéo, autant vous me merdez non plus. Hein. Allez. Par contre, je sais pas trop où est pour moi. À peine pleine à 70%. Que 10 tonnes dedans. Est-ce que j'ai foutu le gyro? Non, j'ai pas mis le gyro. Allez, je vais le gamer. Hop. Si vous voulez jouer avec moi, apparaître dans les vidéos et tout, faire partie de la team, faire partie de mon équipe, que j'ai une petite équipe avec Greg et tout. Pour l'instant, il n'y a que Greg, mais j'espère avoir Romain aussi. Je vais donner sa vraie identité, c'est pas grave. Je vous dirai pas qui c'est du coup. Donc aussi, j'ai vu qu'il y avait Belgique Profonde V3 qui est sorti. Ne la téléchargez pas. C'est un fake. C'est Journal de Prix qui l'a mis. Et c'est Frabel après qui a mis ça sur sa page Facebook. Qui s'est entretenu avec LuxFarm. Frabel créera la Belgique Profonde V3 que sous l'autorisation de LuxFarm. Donc, et LuxFarm n'a même plus le dossier de la BPV3 dans son ordi. Donc... voilà, donc surtout ne la téléchargez pas. Si c'est déjà fait, supprimer là, c'est juste quelques petits trucs qui ont été modifiés sur la V2. Alors que c'est totalement faux. Frabel l'a bien dit. S'il y aura une V3, elle sera complètement refaite. Donc, bah on espère qu'il y aura une V3. On l'espère. Hein. Oh là, j'ai carrément pas dessus moi. C'est pas trop où je vidais. Mais... ah, elle est plutôt pas mal la petite brigand. Plutôt pas mal. Hein. Allez. Hop, nous on va rentrer à la ferme. Et ben. Et ben, je vous dis ben, maintenant, parce que. Bon bah moi maintenant je vous dis à la prochaine. Surtout likez, aimez, commentez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous. En même temps faites un peu ce que vous voulez. Bon, si vous n'aimez pas, mettez bien le pouce rouge. Hein. Mettez-le, ça. Et surtout, mettez pas un pouce rouge juste pour mettre un pouce rouge. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé, et j'essayerai. Puis si vous êtes là que pour mettre des pouces rouges, regardez pas quoi. Voilà, donc allez, à plus tout le monde, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, puis
J'espère à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.